Kabombi a rappelé que l'information et la communication sur et pour l'armée sont l'apanage des services de l'information et communication des forces armées de la République démocratique du Congo, CIFWA. Au sortir de ces assises, les participants se sont félicités des résultats obtenus pour la régulation de ces secteurs incontournables. Les auditeurs du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, ont le samedi 19 février 2022 effectué une visite pédagogique au Centre supérieur militaire. L'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du groupement des écoles supérieures militaires a servi de cadre à leur accueil. Dans son mot de circonstance, le lieutenant général Banzelou Bundjidié Donné a souhaité la bienvenue à ses hôtes de marque et a rendu un vibrant hommage au président de la République et commandant suprême des forces de défense et de sécurité pour son attachement et son implication dans la matérialisation du trinôme fait en son volet formation qui vise la professionnalisation de notre armée. Dans la même optique, le commandant général des écoles militaires a également exposé sur la structure militaire placée sous son commandement et a brossé aussi un bref historique de la formation militaire de notre armée depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Au nom de tous les membres de mon état-major et au mien, je vous souhaite la bienvenue dans cet endroit historique qui nous a dénommé amphithéâtre Joseph-Désiré Mobutu. Par la grâce de Dieu, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis et rend possible la réalisation de notre rencontre des champions. Je rends également un vibrant hommage au commandant suprême de nos forces armées qui nous assure de son accompagnement dans tout ce que les écoles font. Et j'exprime l'agréable désir de vous avoir passé une excellente journée et un moment d'enrichissement culturel qui va rencontrer, je l'espère, vos attentes dans le secteur de la formation militaire. À ce sujet, il nous a été demandé de vous faire un exposé sur l'organisation et le fonctionnement du commandement général des écoles militaires. Différents autres exposés ont été faits par les chefs de département, notamment le colonel Kayembe Macheki, chef de département études et doctrine, le colonel Mamina Balangana Dieudonné, chef de département programme et contrôle, et le colonel Kabenge Lemouval Adolphe, chef de département méthode et ressources. Chacun d'eux a expliqué aux visiteurs les attributions et les missions assignées à son département. Prenant la parole, le représentant du commandant Chest empêché, le général de brigade français à la retraite, Arnaud Ladrange, directeur d'études à la 5e session spéciale, a remercié et félicité les autorités du commandement général des écoles militaires pour l'organisation de cette visite pédagogique. Il fréquente le commandement général des écoles militaires. Et ça, c'est très impressionnant. Et pourquoi c'est impressionnant et pourquoi c'est fondamental d'avoir une formation avec un commandement centralisé? C'est parce que la formation, elle vous crée un militaire pour 30 ans, au moins, parfois plus, parfois un peu moins aussi, mais pour la commission en particulier pour 30 ans. Donc si vous le loupez au départ, vous le loupez pour 30 ans. Si un soldat fait 15 ans, si vous le loupez au départ, vous le loupez pour 15 ans. Et ça, c'est extrêmement dommageable, évidemment, comme ça arrive. Le but, c'est que ça arrive. Une visite guidée a conduit les auditeurs de la 7e promotion ordinaire et de la 5e session spéciale, respectivement, au laboratoire de langue de l'école militaire de langue, au bâtiment administratif de l'école de guerre de Kinshasa, aux mains des officiers et à la bibliothèque du centre supérieur militaire. Je suis là, mon général. Oui, parfait. Merci beaucoup, mon général. C'est le bienvenu dans la... On ne fait pas l'école de guerre. Et nous sommes venus, après exposer, nous avons pensé qu'ils se faisaient jeter un coup d'œil à la guerre. La
c'est pour l'humanitaire déjà, c'est ça. Le commandant 14e région militaire, commandant place ville province de Kinshasa, le général de brigade Ilondo Effondo Igo, vient d'emboîter les pas au projet d'implantation d'un milliard d'arbres initié par le président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le mardi 15 février 2022, le général de brigade Ilondo Effondo est descendu à Kindundu, situé à 60 km du centre-ville, dans la commune d'Enselé, pour palper du doigt l'opération de reboisement de la ville de Kinshasa menée par les éléments de la 14e région militaire. Sur place, un état des lieux a été présenté au commandant 14e région militaire par le directeur des productions, le capitaine Ngongo Abdallah. Dans son adresse, le commandant 14e région militaire, commandant place ville province de Kinshasa, a conscientisé les militaires commis à cette opération, qu'il a du reste appelé à la discipline. Pendant la visite guidée, le général de brigade Ilondo a prêché par l'exemple en plantant quelques arbres d'espèce acacia et a expliqué les bien fondés de cette opération. Nous sommes des militaires et les militaires participent aussi au développement. Donc l'armée n'est pas seulement là pour consommer, nous sommes une armée aussi de production et de développement. D'ailleurs, c'est notre loi organique qui les consacre à tant de paix, l'armée peut participer au développement du pays. Ici, nous sommes au village Kindundu, nous avons négocié avec les chefs et les arbres, c'est pour participer aussi au projet du chef de l'État d'un milliard d'arbres dans le pays, le jardin scolaire. Donc, nous sommes là avec les militaires. Notre but ici, c'est de produire, reboiser les arbres acacias que nous avons voulu planter ici. C'est stratégique parce que ici, nous avons le choix du site par rapport aux avions qui passent. Et lorsqu'ils dégagent le CO2, l'acacia a le pouvoir d'absorber le CO2. C'est pourquoi nous avons voulu ici pour planter les arbres acacia et pour pouvoir absorber le CO2 qui est dégagé ici. Donc c'est pour le bien de l'humanité et surtout pour le pays aussi. C'est pourquoi nous sommes là, comme des militaires, vous avez vu, on a planté, il n'y aura pas que l'acacia, il y aura beaucoup d'autres arbres et beaucoup d'autres quartiers qu'on va mettre ici. Nous aurons une délégation du ministère de l'Environnement avec le Fonds forestier national qui viendra nous visiter ici. Ils ont cette stratégie de planter les arbres pour lutter contre les réchauffements climatiques. Et c'est la stratégie qu'on appelle le Red Plus, ou tout ce qu'on fait pour aussi attirer les fonds verts, tout ce qui vient de l'humanité. Donc notre pays participe aussi à ce développement. Les objectifs du développement durable, c'est pour l'ONU. C'est-à-dire que nous sommes en train de contribuer sur le plan de l'humanité tout ce que le monde entier attend de nous, de la RDC, à travers sa forêt et à travers tout ce qu'il y a comme tourbière et ainsi de suite. Je pense que tout le monde voit et c'est la raison pour laquelle je vous félicite parce que vous êtes là pour faire passer le message. Et nous sommes comme une phase expérimentale avec les Fonds forestiers nationaux qui a demandé l'autorisation auprès des chefs d'état-major général. Donc, ça commence ici et ça va continuer, ça va s'étendre dans tous les pays et j'espère que mes collègues commandants région militaire du pays vont aussi recevoir des fonds pour faire ce que nous faisons. Donc ce n'est pas, c'est peut-être le début, mais on va continuer et pour nous, nous sommes comme une phase expérimentale. Dans 5 ans, donc on aura les produits et ça va être bénéfique pour le pays. Merci beaucoup. La police nous garde est rangée pour nous rendre les horaires et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police audience, adjudant chef Mbouba et Toumba Fleuribert, à vos ordres, mon colonel. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a introduit lundi 7 février 2022 à la prison militaire de Ndolo l'affaire ministère public contre le colonel Kabeya Ponyonyo Guy et consorts.
Le colonel Kabeya, commandant de la 32e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo, est poursuivi pour avoir ordonné le 13 mars 2021 la sortie d'une jeep avec des caissettes de munitions de guerre du camp Mambango à Beni pour vendre à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le premier Kabeya a comparu avec le major Woza Woza Tekombole, le capitaine Boda Nzine Gabriel, le lieutenant Zima Moussiki, le sous-lieutenant Deba Mayamba Ezekiel, le soldat de deuxième classe Monsambane Montukajan, le soldat de deuxième classe Yesaya Linule Dido, le soldat de deuxième classe Moliza Lungu Kambolani, Sieur Ahmad Omar Mugeni, Kambale Sharifi Ndioka, Safari Bageni Olivier et Kambale Machandeeri. La cour militaire de Kinshasa Gombe, présidé par son premier président, le colonel magistrat Sangwa Lumbu Pati, a procédé à l'identification des prévenus à cette audience d'ouverture. Tous les militaires cités ci-haut sont administrés à la 32e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo basée à Bénin. Tandis que les civils sont des agents et cadres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature œuvrant au parc national de Virunga. L'officier du ministère public représenté par le colonel magistrat Limbaya Mombezi Alpha accuse ses agents de l'ISSN d'avoir incité ses militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. L'audience a été renvoyée au 22 février 2022. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Le commandant de police d'audience, Adiba-chef Kingi Mobunda Sebi, à vous, mon colonel. À l'audience de la haute cour militaire du mercredi 9 février 2022, tenue à la prison militaire de Ndolo, le policier Kiboumbe Eric alias Saddam a consolidé les dépositions de ses collègues Mugabo Jacques et Ilunga Doudou. Il a chargé le commissaire supérieur principal Mukalai Wamatesu Daniel, le général de brigade Zeloa Katanga alias Jadija, dont l'assassinat le 1er juin 2010 de Floribert Chebea et Fidel Bazana. Lors de la confrontation, le renseignant Mukalai a clamé son innocence. Le ministère public, représenté par le colonel magistrat Lumbango Moïni Richard, lui a posé la question de savoir jusqu'à quand va-t-il continuer de nier alors qu'il est déjà condamné à 15 ans de servitude pénale principale. La cour, présidée par le colonel magistrat Ekofo Inganya Martin, a renvoyé l'audience au mercredi 16 février. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre l'honneur et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Au mandat de l'audience, à l'audience Laurent Edima, prévenu. À vos ordres, mon général. La haute cour militaire a poursuivi vendredi 11 février 2022 l'instruction de l'affaire auditeur général ministère public contre le général-major Igil Ayav Jean-Luc et ses 11 co-prévenus. La cour présidée par le lieutenant-général Moutombo, entendu en qualité de renseignant, le colonel à la retraite Abedi Baudouin, ancien commandant adjoint de la base logistique centrale, et le capitaine Moutombo, ancien commandant compagnie non organique de la base logistique centrale. Le premier renseignant a avoué l'existence de l'opération Machambiro à la base logistique centrale sous le commandement du général-major Igila. L'opération consistait à mettre les véhicules de cette unité à la disposition des particuliers pour faire l'argent à compenser le fonds de fonctionnement. Pour le colonel Abedi, le colonel Mwanda, à l'époque assistant du commandant de la base logistique centrale, était chargé de la gestion de ce fonds, tandis que le prévenu capitaine Mutanda s'occupait du recouvrement auprès des civils qui utilisaient ces véhicules militaires. Appelé à la barre pour confrontation aux renseignants, les trois prévenus, à savoir le général-major Igila, le colonel Mwanda et le capitaine Mutanda ont nié le fait. Ces faits d'accusation ont été fixés à l'audience par le ministère public représenté par le général-major Bivegete afin que le juge actif puisse vérifier et en tirer les conséquences du droit. Le second renseignant, le capitaine Mutombo, a répondu
répondu aux questions de la Cour sur le manque de véhicules non organiques de la base logistique centrale. À ce sujet, il a déclaré qu'il n'y avait aucun inventaire des véhicules de la base logistique centrale lors de la remise des reprises entre les généraux Kazimoto et Ijila à la tête de cette unité. L'audience du jour a été clôturée par l'audition du prévenu Mwambaï Mulumba Jean-Claude, poursuivi pour avoir été commissionnaire du général-major Ijila et pour vol de deux camions WAP de la base logistique centrale. Dans sa déposition, le prévenu Mwambaï a rejeté en bloc ses griefs. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont dernièrement acquis de nouveaux bus de marque chinoise Dongfeng, dont du gouvernement congolais. Ces engins de transport étaient dispatchés à travers les états-majors des grandes unités de notre armée afin de faciliter les déplacements de ses membres dans la réussite de leur mission régalienne. La première zone de défense a reçu 10 bus pour les déplacements des militaires de la garnison de Kinshasa, dont la prise en charge est assurée par les mécaniciens militaires de la base logistique centrale du camp lieutenant-colonel Kokolo. Suivons comment l'entretien de ces matériels roulants est fait pour garantir leur longévité. L'adjudant-chef Bandi Katela Jean-Claude, chef maintenance pool en bus, nous explique la qualité des produits et la périodicité d'entretien de ces matériels de transport. Les chauffeurs ont été recyclés afin de s'adapter à ces engins pimpant neufs, modernes et hyper sophistiqués. Nous avons 12 chauffeurs, les 10 sont en mouvement et les 10 chauffeurs sont chauffeurs de réserve. Nous avons commencé d'abord à faire l'appel au bâtiment de transport et la base logistique pour le recrutement des chauffeurs. Ils ont passé par la formation et après la formation, ceux qui ont réussi, ils sont disponibles pour conduire les officiers. Jusque-là, ça va. La landela qui court, il y a chauffeur. Naza chauffeur, il y a Kala. Dans le recyclage, il y a qui la babis président Sombaki. Et c'est qui est là pour nous présenter la parité de la PMF. Nous avons fait la mingi, la PMF, la bizarre de l'Inangaï. Et puis, nous avons fait la chauffeur dans la chauffeur de la Mibali. Et ça, nous avons fait la sonité, nous avons fait la chauffeur. Nous avons fait la chauffeur de l'école logistique, nous avons armé. Nous avons bien formé. Pour nous, nous avons fait la chauffeur. Pour nous, nous avons fait la école. Nous avons formé pendant 3 mois de recyclage. Nous avons fait la chauffeur de 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 la Ce n'est pas n'importe qui. Différence est allée entre les bus et les bus. Destination force aérienne et force navale. Après force navale, tu commis dans l'état-major général pour que tu aies un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Nous avons un chauffeur et un bus de ramassage. Nous avons une ligne à Seta Kinkole, boulevard Lumumba, état-major général. Biso va chauffeur toza ko respecter code de route parce que to tangi yango na classe ezalite ke bazumu to bapesu ko mbate to tangi na école logistique biso oyo toza ko mema oyo son excellence le président de la république c'est police Anton Tshisekedi asombi po na armée po na ba soldat po na ko sa ramassage na bango ezali ba biso moko ja trop sophistiqué
ils ont la bus Yassika, ils ont la climatisation, ils ont la caméra na kati, ils ont la option ebélé. On a bus Yaliboso, ils ont la bus Tata, ils ont la bus Tata, ils ont la bus na Zaira, na Tata, na 2009, ils ont utilisé la bus Wana, na ramassage. Le OIE Yassika, ils ont la option de plus que vous voulez pas, la bus Wana. Les chaises ont été bien garnies avec les ours fabriqués par l'ingénierie des tailleurs de la base logistique centrale pour sa protection. Le corps logistique a donné les moyens à la base logistique centrale et la base a mis les moyens à notre disposition et nous avons acheté ici pour confectionner les ours. Pour habiller les sièges de tous les 10 bis de transport en poule pour les officiers. Ce sont les tailleurs qui sont formés à l'école logistique. C'est là où on forme les tailleurs. Et puis, récemment, le chef d'état-major général avait recruté les invalides pour suivre la formation des tailleurs. Et à l'issue de la formation, il les a envoyés au corps logistique. Et le corps logistique a envoyé à la base logistique. La base logistique a mis à la disposition du bataillon des ateliers. Non, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On a fait ça dans 5 jours pour confectionner les 600 pouces. Cette acquisition des matériels roulants est le souci majeur du président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de travail et les sociales des militaires congolais.